Jim, l'officier Rose s'est précipité vers la scène. C'est à ce moment-là que la bombe a explosé. Moi, je regardais en direction du sergent Bud pour essayer de voir ce qui se passait. Et Bud faisait quoi? Tout est un peu confus pour moi, monsieur. Il a quitté l'auditorium et il est revenu pile au moment où ma montre s'est avancée sur la scène. Qu'est-ce que Bud faisait à l'extérieur? Ça, je n'en sais rien. Plutôt étrange, bon, ça ne peut pas être une coïncidence. Je suis vraiment désolé, monsieur. Bon, avant de partir, je veux que vous m'écriviez un premier compte rendu, tout ce qui pourra vous revenir en mémoire. Absolument. Très bien, monsieur. Merci. Ouais. Au-delà du cours de choc ressenti ce soir ici à Londres, deux grandes questions assez simples se posent. La première, je suis convaincu d'étudier la vraie cible de cet attentat. Et la seconde, était-elle sur le point d'apprendre s'y met tant que tout est encore frais. Non. Un de vos collègues, Tom Fenton, nous a déjà fourni un premier compte rendu. Fenton faisait équipe avec vous et l'agent Kimberley Knowles pendant le discours de la ministre. Oui, c'est exact. Fenton s'est souvenu que Knowles et vous avaient quitté l'auditorium un peu avant l'explosion. Oui, pourquoi? J'avais vu quelqu'un dans le hall, je suis sorti pour vérifier. Une personne, comportement suspect. C'est ce que je voulais vérifier. Qui était cette personne? Qu'est-ce que Kim?
savez que ça peut être capital. C'était qui dans le rôle? Son comportement vous a-t-il paru suspect? Il ne l'était pas, sinon je n'aurais pas laissé passer. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il est transmettre des infos à la ministre, il cherchait comment accéder aux polices. C'est plutôt étrange, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'en sais? Jouer sa carrière. Un larbin qui débarque en plein discours, c'est pas très bon pour l'image, en vrai. Comme je l'ai dit, c'est pas à moi de juger. Les témoins affirment que Taï m'a monté transporter une mallette. C'est exact. Il m'a montré ce qu'elle contenait. Des documents des ministères. Vous avez fouillé soigneusement cette mallette? J'en ai inspecté le contenu. Inspecté? J'ai regardé à l'intérieur. Il y avait des papiers. Et rien d'autre. Vous avez fouillé Mahmoud? C'était un assistant accrédité par le gouvernement en mission officielle. Donc, vous n'avez pas fouillé ma tête? Non. Certains des témoins nous ont affirmé que l'explosion venait de la mallette que ma tête. C'est de protéger.